Jocelyne Saint-Arnaud, professeure associée au département de médecine sociale et préventive, École de santé publique, Université de Montréal, chercheure invitée au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal, consultante en éthique de la santé. Justice sociale et intervention de santé, préliminaire à une réflexion interdisciplinaire sur les enjeux éthiques liés à la limite des ressources et à ses impacts sur le système de santé. Bonjour à tous, ça me fait plaisir de voir qu'il y a une bonne assistance à ce colloque, malgré l'immensité de la salle. Je vous vois quand même très bien et j'apprécie votre présence. Alors, je vous parle de justice sociale et intervention de santé. Tous les systèmes de santé à travers le monde sont aux prises avec un problème de ressources. Ces problèmes sont dus notamment à l'accroissement de la demande, au coût des techniques et appareils de pointe, à l'offre de nouveaux traitements et de nouveaux médicaments. L'offre apparaît illimitée alors que les ressources financières sont limitées. Au Canada, les paiements de transfert venant du fédéral correspondaient à 45 % des coûts des dépenses de santé en 1977 et 1978. Après des baisses et des hausses, ils sont actuellement de 20,4 % et selon les prévisions, se situeront à 18,6 % en moyenne pour les 20 prochaines années par la nouvelle approche de calcul de transfert qui sera alignée sur le PIB et qui a été imposée aux provinces par le premier ministre canadien. Si le fédéral diminuait, voire annulait, les paiements de transfert aux provinces, comment pourrait-il contrôler l'application de la loi sur la santé qui garantit l'accessibilité aux soins médicaux et qui offre un rempart à l'envahissement du privé dans la santé? On sait très bien que le privé est présent dans notre système de santé, mais la loi canadienne sur la santé constitue une condition essentielle à l'universalité d'accès aux soins médicaux et elle doit être maintenue. Cependant, pour être équitable envers tous, le système de santé doit pouvoir répondre aux besoins de santé par des soins de qualité et en temps opportun. En effet, un système de santé canadien juste et équitable réunirait des conditions de justice formelle imposées principalement par la loi fédérale sur la santé et ses 5 critères: gestion publique de l'assurance santé, intégralité des services, universalité, transférabilité entre les provinces et accessibilité aux soins. Donc, devrait réunir justice formelle d'une part et justice distributive basée sur les besoins réels de la population d'autre part. Actuellement, des sondages en milieu hospitalier indiquent que les patients sont majoritairement satisfaits des soins reçus. Le problème concerne de manière plus spécifique les listes d'attente, la pénurie de personnel soignant et les coûts rencontrés pour maintenir un service de qualité. Alors, donc, je vais vous parler de ces 3 points que vous voyez, liste d'attente, la pénurie de personnel soignant, les coûts élevés des médicaments. Et ensuite, j'illustrerai mon propos par les problèmes éthiques qui s'y présentent. D'abord, les listes d'attente. Un des problèmes de notre système de santé concerne les listes d'attente. Le 13 février dernier, le journal Le Devoir titrait « L'attente en chirurgie est toujours aussi généralisée ». En lisant l'article, on constate que non seulement les listes d'attente ne diminuent pas, mais encore, elles ont tendance à s'allonger par rapport à l'année précédente. Au début de février dernier, 100 000 personnes figuraient sur les listes d'attente en chirurgie, dont 24 000 depuis plus de 6 mois. Le temps d'attente pour une chirurgie élective, les temps d'attente, en fait, sont tellement longs que le M3S a mis en place un site Web où chacun peut s'informer sur les délais d'attente selon la spécialité, l'établissement et la région en cause. Des programmes priorisant les chirurgies du genou, de la hanche et de l'œil qui ont été mis en place de manière à viser un maximum de 6 mois d'attente comme cible. Si les personnes concernées attendent plus longtemps que 6 mois, des options s'offrent à elles. Être opérées par un autre chirurgien d'un même hôpital, par un autre chirurgien dans un autre hôpital de la même région ou encore dans une autre région et être opérées aussi dans un centre spécialisé. Mais les listes d'attente ne concernent pas que la chirurgie, elles concernent aussi d'autres examens et interventions, notamment les endoscopies qui impliquent un temps d'attente allant d'un an à un an et demi dans le centre hospitalier où je préside le comité d'éthique clinique. Imaginez que l'endoscopie est prescrite dans certains cas pour diagnostiquer ou confirmer un diagnostic de cancer et que la personne doit attendre un an pour l'examen, ceci aura des conséquences néfastes sur la rapidité de la mise en place et l'efficacité du traitement, la qualité de vie, voire la survie par la suite.
L'engorgement des salles d'urgence québécoises n'est pas un fait nouveau. Déjà en 1985, une étude commandée par le gouvernement du Québec examinait ce problème. Les causes étaient liées au fait que des personnes s'y présentaient pour des problèmes non urgents, à un manque de lits en soins de longue durée et à un problème d'accès à des soins psychiatriques. Plus de 20 ans plus tard, les urgences sont toujours engorgées. La situation n'a pas changé malgré les injections ponctuelles de fonds, l'augmentation de la rémunération des urgentistes, la méthode Toyota du ministre Bolduc et de louables efforts dans certains milieux hospitaliers. Dans un article du Soleil du 12 janvier 2012, le journaliste Pierre Pelchat décrit sous le titre « Les urgences débordent encore à Québec » que le mercredi précédant la parution de l'article, le taux d'occupation des lits d'urgence dans la ville de Québec, et là on a la liste de tous les hôpitaux, elle était de 228% à l'hôpital Laval, de 160% à l'Hôtel-Dieu, de 159% à Saint-Sacrement, de 158% au CHUL, de 154% à l'Enfant-Jésus et de 132% à l'hôpital Saint-François-d'Assise. Ce sont tous les hôpitaux de la ville de Québec, en fait. Dans ces salles d'urgence, des civières sont occupées par des patients qui attendent un hébergement en CHSLD ou une hospitalisation dans un établissement de santé mentale ou un établissement de réadaptation physique. Les nouvelles TVA du 23 février 2012 indiquent que les personnes en attente ne sont pas des personnes qui n'auraient pas dû se présenter aux urgences. Il n'y en a plus de ces gens-là, c'est trop long, l'attente, effectivement. Elles sont très malades et ont besoin d'hospitalisation en pneumologie, en orthopédie et en psychiatrie. Quand les urgences débordent, les patients sont orientés vers d'autres centres. Mais que faire quand tous les centres hospitaliers sont débordés, comme c'était le cas à Québec en janvier 2012? Et que faire quand le centre à joindre est plus éloigné, mettant dans certains cas la vie d'une personne en péril? En statistique, le nombre qui compte, c'est le nombre en fait qui compte et qui est significatif, mais en éthique, chaque personne a une égale valeur morale, et donc mettre en péril la vie d'une seule personne n'est pas moralement acceptable. Il est clair que chacun est conscient des problèmes de débordement des urgences et des listes d'attente pour des chirurgies électives, notamment celles du genou, de la hanche et de l'œil, et qui sont liées au vieillissement de la population. Mais l'option de privilégier ces interventions fait-elle en sorte de pénaliser les patients porteurs d'autres types d'atteintes? Respectons-nous les patients qui sont convoqués 3 fois pour une chirurgie parce que les urgences doivent passer en premier? Faut-il qu'un cas devienne urgent pour avoir rapidement accès à une chirurgie? Par ailleurs, on parle beaucoup des problèmes liés à la limite des ressources en milieu hospitalier, mais que dire des services à domicile déficients, des listes d'attente en ergothérapie pour les enfants qui ont un retard de développement ou en orthophonie pour les enfants qui ont un problème de langage, des limites de ressources en milieu scolaire pour les enfants qui ont un trouble d'apprentissage? Certains retards sont irréversibles et ne pourront jamais être rattrapés. Quant à la pénurie de personnel, le manque de médecins de famille au Québec a été souligné et réitéré à plusieurs reprises, particulièrement en région. Un journal local, l'Information du Nord, Vallée-Rouge, annonçait le 24 octobre dernier que le C3S Antoine Labelle, dans les Hautes-Laurentides, manque de médecins, d'infirmières et d'autres professionnels pour répondre aux besoins de la population. Il y manque 5 médecins, dont un psychiatre à mi-temps. Mais quel médecin s'éloignera d'un grand centre pour travailler à temps partiel? Selon le président des médecins résidents du Québec, Grégoire Bernèche, il y a par ailleurs saturation de médecins spécialistes et les raisons invoquées, en plus du nombre d'étudiants inscrits à la faculté de médecine qui a doublé, concernent le fait que certains d'entre eux sont surspécialisés et ne peuvent trouver d'emploi au Québec, qu'il y a un manque de plateaux techniques et d'équipes de soutien, comme des infirmières spécialisées mettant en péril leurs habiletés, et enfin que plusieurs doivent adopter une pratique nomade, c'est-à-dire qu'ils doivent pratiquer dans plusieurs centres, ce qui ne favorise pas un ancrage dans la communauté. J'ai connu un chirurgien qui illustre ce phénomène. Après une surspécialisation en fait en reconstruction du visage dans un grand centre états-unien, ce médecin a commencé à travailler dans un centre hospitalier pour enfants à Montréal. N'ayant pas un nombre suffisant de patients compte tenu de sa surspécialisation et pas suffisamment de temps opératoire, il s'est inscrit aussi dans un autre centre hospitalier, celui-là pour adultes. Dans ce centre, des salles d'opération étaient fermées par mesure de restriction budgétaire. Il a fini par aller vers le privé, a ouvert sa propre
clinique et pratique maintenant la reconstruction mammaire. Par ailleurs, les limites en personnel spécialisé mettent en péril, dans certains cas, l'accès aux services. Ainsi, une greffe d'organes n'a pas été effectuée dans un centre hospitalier il y a quelques années à cause d'un manque de personnel infirmier à l'unité des soins intensifs durant la fin de semaine. Une enquête effectuée auprès des équipes de dialyse en 2000 et 2001 a montré qu'il manquait de néphrologues dans plus de 2 centres sur 12. Dans un des centres participants en région, il n'y avait aucun néphrologue et c'était l'infirmière-chef qui avait la charge du service de dialyse, étant liée par ordinateur à un hôpital universitaire en centre urbain. Quant au personnel infirmier, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec se veut rassurant. Depuis 2 ans, le nombre d'infirmières et d'infirmiers qui demandent leur permis de pratique est supérieur au nombre de ceux qui quittent la pratique. Cependant, ce n'est pas suffisant pour rattraper le déficit. Dans les années 2006-2007, alors que je représentais l'Université de Montréal au conseil d'administration de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il y manquait 200 infirmières. Selon un rapport interne du CHUM publié en 2009, 52 % des infirmières nouvellement diplômées quittent le centre hospitalier après 24 mois, la majorité des départs s'effectuant durant les 3 premiers mois suivant l'emploi. Un rapport d'un groupe de recherche portant sur la rétention des infirmières nouvellement diplômées au CHUM a répertorié les motifs d'insatisfaction. Lourdes charges, ratio infirmières-patients élevés, instabilité des horaires. En fait, quand l'organisation ne satisfait pas les infirmières, elles s'en vont vers des centres qui fonctionnent mieux. Uniquement du point de vue des horaires, dans les hôpitaux francophones, les nouvelles infirmières doivent accepter des quarts de travail de nuit avant de se qualifier pour des quarts de soir et enfin, au bout de plusieurs années, pour des quarts de travail de jour. Cette procédure fait en sorte que des infirmières inexpérimentées se retrouvent sans soutien durant la nuit, avec un grand nombre de patients à soigner, alors que les médecins ne sont généralement pas sur les lieux. Dans les hôpitaux anglophones, les nouvelles infirmières doivent choisir obligatoirement des quarts de travail de nuit, de soir et de jour, comme les autres infirmières. C'est une manière plus égalitaire de faire les choses, et cela laisse plus de place à la liberté individuelle. Dans l'étude déjà citée sur les limites des ressources en dialyse, 1 centre sur 12 ne rencontrait aucun problème de pénurie d'infirmières. Il s'agissait d'un centre anglophone. Les autres centres imposaient du temps supplémentaire, ce qui cause des conflits de devoirs chez les infirmières qui ont des obligations à la fois familiales et professionnelles à remplir. En 2002-2003, 91 % des infirmières autorisées avaient fait des heures supplémentaires au Canada. Et au Québec, 87 % de ces infirmières en avaient fait autant durant la même période. En fait, faire des heures supplémentaires est devenu un mode de gestion de la pénurie, alors qu'il visait initialement à répondre à des urgences, à un surplus de travail ou à une absence imprévue de personnel. Si on aborde la question du coût des médicaments, dans le système de santé actuel, le coût des médicaments a dépassé le coût de la rémunération des médecins depuis les années 2000. Au Québec comme ailleurs, le coût des médicaments ne cesse d'augmenter. Selon Morgane, cette augmentation serait due notamment aux techniques de marketing des pharmaceutiques, à la publicité ciblée et aux exigences de la clientèle, notamment celles des baby boomers, à la polythérapie médicamenteuse, consiste à prescrire plusieurs médicaments en pensant que peut-être un parmi ceux-là agira, et à l'esprit de compétition des pharmaceutiques qui incite à développer des médicaments légèrement différents des produits existants pour gagner des parts de marché. Ces produits ne sont pas nécessairement plus efficaces que les médicaments plus anciens, mais ils sont beaucoup plus coûteux. Le Québec a voulu inciter les compagnies pharmaceutiques à s'établir sur son territoire, et pour cela, leur a consenti des privilèges en termes fiscaux, en appliquant la règle des 15 ans quant au respect des médicaments brevetés avant d'ouvrir la porte aux génériques. Cette règle vient tout juste d'être abolie. Et en établissant des partenariats concernant la gestion du médicament. Le gouvernement subit des pressions de la part des groupes de patients et de la part des pharmaceutiques pour que de nouveaux médicaments soient inscrits sur les listes de médicaments remboursés par la Régie générale d'assurance médicaments, y inclut les médicaments d'exception. Le ministre de la Santé dispose d'un pouvoir discrétionnaire en matière d'acceptation des médicaments remboursés.
et il est arrivé que des médicaments non éprouvés scientifiquement soient autorisés. L'obligation pour les pharmaceutiques impliquée de se munir d'un code d'éthique, obligation qui a été imposée par le gouvernement, ne représente pas nécessairement une garantie contre leur tendance en tant que compagnie privée à promouvoir leurs intérêts à l'encontre du bien commun. De plus, c'est la population québécoise qui participe par ses impôts et ses assurances collectives au défraiement des coûts des médicaments remboursés par le régime général d'assurance médicaments, qui est un régime mixte privé-public dont 60 % des coûts sont défrayés par l'État et 40 % par les assureurs privés. Laisser proliférer les budgets assignés au remboursement du coût des médicaments constitue une façon de restreindre les budgets assignés aux autres sphères de la santé, tout aussi importantes, sinon plus, pour donner un soin de qualité selon une approche globale. Si on parle des impacts du rationnement sur les pratiques éthiques en santé, la limite des ressources est la solution du rationnement préconisée par le M3S, dont font partie les listes d'attente et la pénurie du personnel, ont des conséquences directes sur les pratiques de santé. Les décisions difficiles sont laissées aux professionnels de la santé sur le terrain. Plusieurs d'entre eux doivent consacrer une partie de leur temps à la gestion des ressources limitées, notamment dans les urgences, les soins intensifs et les unités de dialyse, plutôt que de se consacrer à leurs pratiques de soins. Quand les ressources ne sont pas limitées, les soins et les traitements sont prodigués en fonction des besoins, ce qui constitue un critère égalitaire d'allocation de ressources. En situation de rareté, l'expérience montre que des critères qui ne sont pas associés à l'état de santé des personnes qui nécessitent des soins sont utilisés. Ainsi, des critères d'ordre psychosocial, économique ou politique apparaissent. Des critères non égalitaires refont surface, tels le mérite sous toutes ses formes, l'âge ou la pression sociale. Ainsi, des pressions s'exercent pour que des personnes dont les soins ne sont pas urgents passent en tête des listes d'attente. Des civières s'entassent dans les corridors, dans les salles de repos dédiées aux familles ou dans des salles de rencontres interdisciplinaires. Des personnes n'ont pas accès aux soins en temps opportun. Certaines sont placées dans des situations à risque pour leur santé. Pendant ce temps, de nouveaux services sont offerts, comme la fertilisation in vitro sous la pression de groupes influents, ou encore des dépistages systématiques qui n'ont pas nécessairement démontré qu'ils apportent un bénéfice en termes des taux de mortalité et de morbidité. Ces situations créent des dilemmes et des problèmes d'éthique aux professionnels de la santé, aux prises avec la gestion des ressources limitées. Quand ces personnes ne peuvent agir en fonction du bien-être de leurs patients et qu'elles ne peuvent poser les actes éthiquement conformes à leurs valeurs professionnelles, elles expérimentent des conflits de valeurs qui les conduisent, dans certains cas, à éprouver de la détresse morale. Surtout si aucune solution n'est apportée et qu'elles continuent d'y faire face quotidiennement avec le sentiment de n'avoir aucune emprise sur ces problèmes. Plusieurs définitions ont été apportées de la détresse morale. Jimpton met l'accent sur les contraintes institutionnelles qui empêchent le professionnel de la santé d'agir selon sa conscience morale, et sur les sentiments de colère, de frustration et d'anxiété qui en résultent. Plusieurs questionnaires ont été développés pour évaluer la détresse morale, surtout dans les pays scandinaves. Lusten a identifié 3 facteurs qui y contribuent: la sensibilité morale à la vulnérabilité du patient, l'expérience de facteurs externes les empêchant de faire ce qui est le mieux pour le patient et la conviction d'avoir aucun contrôle sur la situation. Le but de ce colloque consiste à discuter, en interdisciplinarité, des questions de justice sociale qui se posent avec acuité dans notre système de santé. Les conférenciers invités à faire partie des 4 tables rondes ne sont pas tous des spécialistes de l'éthique et de la bioéthique. Cependant, les questions de justice sociale s'imposent à eux dans leur travail de chercheur, de praticien ou de gestionnaire, et ils apportent au débat des perspectives essentielles à l'analyse de la situation. Leur communication présente 3 types d'approches épistémologiques qui prévalent en bioéthique: des analyses effectuées à partir des résultats d'études, des analyses effectuées à partir des principes d'éthique de la santé ou les incluant, et finalement des analyses effectuées à partir de la consultation des personnes concernées, y compris le public. Voilà, la table est mise. Je vous souhaite un bon colloque et j'ose espérer que les présentations et les échanges
qui auront lieu durant ce colloque donneront lieu à de nouvelles études et à des analyses interdisciplinaires et transdisciplinaires qui sont nécessaires pour arriver à des solutions applicables et concertées et qui pourront minimiser les problèmes d'éthique causés par la limite des ressources et liés à la justice sociale. Je vous remercie.